Hey yo les gars, c'est Corsico, j'espère que vous allez tous très 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 bien les gars. Alors pour ma part, moi ça va super parce que les gars, on a surtout l'occasion de voter pour la Team of the Season communauté les mecs. Donc voilà, ça sera la première tots qui va sortir le 24 avril les mecs. Ensuite ça va partir sur la tots BPL. Ensuite pendant dans la même semaine de la tots BPL, il y aura la tots Eredivisie, la tots Liga Belge, ensuite la tots Bundesliga. Pendant la tots Bundesliga, 4 jours après, ils vont rajouter la tots Super League. Ensuite il y aura la tots Ligue 1, 4 jours après, ils vont rajouter la tots Liga NOS. Ensuite il y aura la tots Liga, 4 jours après, ils vont rajouter la TOTS de Russie, pardon, j'ai bugué d'un coup. Ensuite, il y aura la TOTS Serie A. Et 3 jours, 4 jours après, pardon, ils vont rajouter la TOTS Reste du Monde. Et pour finir, le 5 juin, ça sera la TOTS Ultime avec les meilleurs TOTS, les gars. Mais voilà, on n'en est pas encore là, mais ça va vraiment être, les gars, un mois de folie, les gars. Vraiment un mois de folie. Donc, on va kiffer, les mecs, on va kiffer. On va tout simplement commencer, les gars. On va faire notre petit vote là. On a le droit de voter 2 gardiens. On a le droit de voter 6 défenseurs, 6 milieux et 3 attaquants, plus 6 remplaçants, les gars. Donc, on va voir, les gars. Premier gardien. On a le choix entre Courtois, Gulacsi, Leno, Sirigu, Rulli, Livakovic et Kolar. Donc, les gars, clairement, je pense qu'on va jouer l'intelligence, hein, les gars, parce que la TOTS communauté, c'est souvent pas ouf. C'est vraiment pas ouf, les gars. Donc, gardien, on va prendre Courtois et Leno. Les gardiens qui peuvent éventuellement être bons. Ensuite, en défenseur, ouais, c'est vraiment pas ouf, les gars. C'est vraiment pas ouf. Donc, déjà, on va prendre Mukiele. On va prendre vraiment des joueurs qui peuvent être intéressants, les gars, en termes de jeu. Mukiele, Gomez, Grimaldo, c'est très bien, ça aussi. Ensuite, t'as Fabra qui est très intéressant. Mais Piqué Godin en TOTS, ils peuvent être très, très bien. Donc, on va les prendre les deux. Piqué Godin, à mon avis, ils seront dedans, les gars, hein, clairement. Donc, Piqué Godin, ensuite, on a un choix entre Trippier et Fabra. Donc, dans tous les cas, ou Kabak, les gars. Kabak qui est très intéressant aussi. Hein. Donc, voilà, les petits bronzes, voilà. Je pense pas qu'ils vont passer, mais moi je pense que je vais prendre Trippier. Ça ferait un bon petit défenseur droit anglais en termes de BBVA, enfin Liga Santander maintenant, les gars. Donc voilà, pour l'instant, on a nos gardiens et nos défenseurs. Pour l'instant, je valide. On part sur les milieux de terrain. Ah, c'est vraiment pas ouf du tout. Bon, déjà, on va prendre Eduardo Camavinga, les gars. Clairement, je pense qu'il y a moyen, qu'il y a de grandes chances qu'il sera dans la TOTS communauté. Dès qu'on va le prendre, on va prendre Thiago avec ses 5 étoiles de geste technique. On va prendre Fernandinho et Casemiro pour avoir. De bons petits milieux brésiliens, les gars, milieu de terrain. Ensuite, Busquets, non, je ne vais pas le prendre. On va prendre Philippe Anderson. Philippe Anderson, Tot, ça peut être très, 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 très lourd. À savoir que les gars, les cartes, ils vont être énormément up. Ça va être les meilleures cartes de tous les joueurs. Hein. Ensuite, deuxième milieu de terrain, j'hésite entre Brandt et Leiva. Je pense que je vais prendre Brandt, clairement. Hein. Je pense qu'il peut avoir une très, très bonne carte en tant que Tot. Et en plus, milieu de Dortmund, les gars. Voilà, on a nos milieux pour l'instant. Voilà, même si Kamavinga, lui, ça sera celui-là qui n'aura pas forcément la meilleure carte, même s'il aura une très belle carte, les gars. Hein. Mais voilà, je le prends pour le kiff. On va passer aux attaquants. C'est pas ouf. Hein. Ah, c'est vraiment pas ouf, les gars. Donc, déjà, on va prendre Dembélé. Dembélé, un choix du cœur Lyon. Ensuite, on va prendre Zaha qui est très très bon. Hein. Lui en TOTS, ça va être une machine, les gars. Hein. J'annonce, ça va être vraiment une machine. Et s'il n'est pas en TOTS communauté, je comprendrai pas vraiment. Donc, voilà, on va prendre Zaha aussi. Et ensuite, j'hésite entre Icardi et peut-être Thuram. Thuram ou Calvert-Lewin. Ensuite, il y a Edouard qui est pas mal. Kadewere. David, ouais, je sais pas leur stade vraiment, mais je pense que je vais prendre Icardi, les gars, clairement, parce qu'on est là vraiment, on va voir. Sachant que ça va être la pire des tots, hein, les gars. Enfin, non, quoique, ce sera peut-être les ligas, pas des 5 grands championnats. Mais comme c'est la première des tots, ça sera pas la plus grande des tots. Donc, on essaie vraiment de prendre les meilleurs joueurs, hein, même si ça sera pas mon vote qui va changer quelque chose, les gars. Donc, pour les remplaçants, donc, comme on a dit avant, on va prendre Fabra, les gars. Encore que, je sais pas si on verra. Pour l'instant, j'ai envie de prendre parce qu'il va avoir une très très belle carte, les gars, en tant que tots. Ensuite, on va prendre Busquets en TOTS. Il pourra avoir quoi? 94, 95, ça peut être intéressant de le paquer du coup. Lucas Leiva, ça peut être très pas mal. Un milieu, voilà, ça peut combler Douglas Costa, Fitburze si jamais. Ensuite, on va prendre Rafa qui aura énormément de rapide et vitesse. Du coup, il sera rapide, hein, logique. Mais voilà, je pense que Rafa, ça peut être intéressant. Ensuite, Moses Simon, je pense que là, il n'y a rien à dire. Hein. Déjà, sur sa carte Fitmas, 95 de vitesse, tout ça, les gars, il peut être très très lourd. Vraiment très très lourd. Donc voilà, donc on va prendre Simon. Et pour le dernier, les gars, franchement, là, je sais pas. Là, on peut prendre du Moutinho, Jorginho pour avoir un bon milieu de BPL. Kabak pour avoir un bon petit défenseur de Bundesliga. Ou on peut aller vers les BU et prendre par exemple la Calvert-Lewin. C'est une bonne petite carte BU de BPL. Ou pour le kiff, un petit Valbuena par exemple. Non, mais franchement, là, je sais pas. Pour le dernier, je sais pas. Mais les gars, aussi, j'ai oublié de le dire, les gars. Si vous voulez aussi voter, je vous mets le lien de Futwiz dans la description, les gars. Comme ça, vous pouvez aussi faire vos votes, les gars. Histoire que vous pouvez kiffer, voilà, vous avez aussi participé pour la Team of the Season communauté, les gars. Mais je pense qu'en dernier, je vais prendre Calvert-Lewin. Je peux pas parce qu'on n'a que le droit de prendre.
5 ligues et on a déjà pris trop de BPL, donc on va pas prendre Calvert Lewin vu qu'on peut pas. Mais du coup, on va prendre sûrement João Moutinho. Je pense qu'on va prendre João Moutinho, les mecs. Pour avoir une bonne carte. Non, bah oui, on peut pas. BPL, on a déjà pris. Bah alors, du coup, je sais pas, on va prendre Thuram. On va prendre Thuram. Je pense que c'est celui qui mérite un peu plus. Il aura une belle, bonne petite carte, un BU français des Bundes. Donc, je récapitule, les gars. On prend Courtois et Leno au but. Voilà, les deux. Voilà, c'est des gardiens, les gars. Ensuite, en défense, ceux qui peuvent être vraiment très intéressants, ce sera Mukiele, Gomez, Grimaldo, qui peut être très, très, très bon, les gars. Ensuite, milieu, Kamavinga, qui peut être très intéressant. Thiago, 5 étoiles, ça peut être très bon. Et Philippe Anderson, c'est très, très lourd. Les gars, en attaque, on aura du Moussa Dembélé, qui peut être intéressant. Du Zaha, qui va être très bon. Icardi, ça sera pas ouf, mais ce sera quand même une bonne carte. Ensuite, en remplaçant, les gars, Fabra, qui aura une très bonne carte. Simon, qui aura une très bonne carte. Thuram qui pourra avoir une bonne petite carte et le reste les gars c'est vraiment pour la note et pour espérer de paquet du jour les gars. Donc voilà, on va aller de la petite team of the season communauté les gars. Donc là, on va voir comment ils vont nous la former les mecs. Voilà, comme ça. C'est beau, hein franchement les gars, c'est magnifique quand vous voyez comme ça. Ils seront en carte tote bien évidemment. Là, ils peuvent pas encore dévoiler, hein, c'est normal les gars. Mais ils seront en carte tote. Mais vraiment les gars, Joe Gomez, Mukiele, ça sera du très lourd. Zaha, ça sera du très lourd. Il y a qui encore qui peut être du très lourd? Philippe Anderson, ça sera du très lourd. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 déjà personnes. Et ça fait presque que 4 personnes qui sera très lourd, les gars. Mais après, voilà, il y aura d'autres cartes qui seront intéressantes à packer. Mais bon, les gars, aussi, on se donne rendez-vous, nous, vendredi 24 avril, pour faire un gros live pack opening. On aura énormément de packs. On va essayer d'en choper, forcément, les gars. Hein. Moi, je pense que ça va pas être difficile d'en choper de la TOTS communauté, les gars. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Si vous voulez voter, comme j'ai dit, c'est en description, la mif. Ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, les mecs. C'était le Cortico. J'espère que vous avez kiffé, les mecs. Ciao, les gars.